Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, le retour de la série Younes et Yacine en match réel. Premier match pour nous de la saison. Vous allez me dire pourquoi vous faites plus de matchs. Parce qu'en ce moment, le dimanche, on est inscrit au cours arabe et du coup, c'est compliqué. Là, c'était les vacances pour nous, donc on a pu jouer. Vous avez vu qu'on est à l'échauffement. Younes, il met des frappes pour s'échauffer. On a fait bien évidemment l'échauffement habituel de où on court, etc. etc. Là, on s'échauffait. C'était la fin de l'échauffement juste avant de démarrer le match. Younes, il s'échauffe, il met des frappes de fou malade. Et franchement, on est parti. Donc, match de championnat. On est actuellement premier du championnat. On joue contre les 4e, 5e, je crois. Et on est premier égalité. Donc, il va vraiment falloir une victoire. On est parti pour le match. Younes, c'est un match réel. C'est parti. Le coach qui nous donne les consignes. Donc, moi, je vais jouer sur le côté gauche. Et Younes qui va jouer sur le côté droit. Let's go. Le match, il commence directement avec les Verts qui vont commencer à faire une action de fou malade. Une sortie de balle de malade mental. Avec passe à puis remise 3e. Directement, il part dans la profondeur. Notre défenseur qui arrive à la toucher pour qu'elle sorte en touche in extremis. Ça, c'est dans les premières secondes du jeu, les gars. Première seconde du jeu directement. Je vous ai mis le tout début. Le numéro 10 qui contrôle en arrière. Récupération pour nous. Notre numéro 10 qui va chercher une solution, qui va mettre un crochet un peu trop long. C'est récupéré par eux aussi. Qui vont directement essayer d'envoyer devant. Mais malheureusement, récupération pour nous aussi directement. On va jouer en arrière. On va essayer de créer notre jeu, nous aussi. Essayer de nous créer une attaque avec Younes. Younes qui va garder le ballon intelligemment, qui va faire la passe au milieu de terrain. Le milieu de terrain qui rate son contrôle. C'est compliqué, c'est le début du match. Faut rentrer dedans, les gars. La récupération directement des Verts, mais nous aussi on récupère, on m'envoie directement une balle. Je vais contrôler, chercher une solution. Il n'y a pas de solution devant, on revient en arrière tranquillement pour construire. Et là on va jouer sur le côté droit, ça vient de la gauche, on joue à droite avec notre défenseur qui va envoyer une transversale directement. Malheureusement un peu raté. Ça a commencé le début, c'est le début, il y a du rythme dans le match. Il y a des ratés, c'est normal, c'est le début. Il faut juste qu'on essaye de se calibrer. On est reparti avec une balle pour le défenseur des Verts qui va faire la passe sur le côté droit directement. Je vais essayer de le bloquer. Le défenseur qui trouve personne, il a été pressé, du coup il a un peu paniqué, il a fait la passe dans le vide. Notre défenseur à nous qui va envoyer une balle sur moi, je contrôle. Mon milieu de terrain qui me dit laisse là, je lui laisse directement, il va faire la passe vers l'avant. Notre défenseur qui a dédoublé, qui accélère, qui met un petit crochet. Et là, qui va se faire faucher, faute, coup franc intéressant. Younes aurait pu la tirer, mais Younes, dans ce match-là, c'est compliqué quand t'as pas joué depuis longtemps dans une équipe. Le tireur de coup franc est en place. Et du coup, pour tirer à sa place, c'est dur à la famille, donc il va centrer. Malheureusement, le gardien qui va l'arrêter. On est reparti avec une attaque des Verts sur le côté gauche. Donc le numéro 10 des Verts qui va envoyer sur son côté gauche. Le milieu de terrain qui envoie directement l'attaquant. L'attaquant qui rate un peu son contrôle. Notre défenseur qui va la sortir en corner. Très belle défense de la part de notre défenseur. Vous avez vu, ils ont un attaquant très costaud. Va falloir être attentif. Le corner directement, deuxième poteau. Tout seul la tête et le but. Le 1-0 directement, engagement, récupération de l'adversaire. Là, c'est directement après le premier but. Dans les secondes qui suivent, 1v1, l'attaquant gauche contre le défenseur. L'attaquant gauche qui passe le centre. La reprise de volet pied gauche. Et le but incroyable, 2-0 en moins de 5 minutes pour les Verts. Franchement, ils partent très bien les Verts. Très bien, 2-0 pour eux directement. Là, ça va être compliqué, il va falloir se ressaisir pour mettre la remontada. On est parti directement avec l'offensive des Bleus, avec notre défenseur gauche qui accélère, le centre en transversal, j'arrive à passer devant mon défenseur, je contrôle. Là, il y a deux joueurs derrière, moi j'essaie de faire des petites pompes pour temporiser, pour gagner du temps. J'lève la tête, je vois deux personnes en second poteau, j'essaie de centrer. Malheureusement, ça dépasse pas le premier poteau, le défenseur qui arrive à bien défendre. Si j'aurais mis plus de force, Younes aurait pu l'avoir. On est parti avec Younes qui m'envoie une transversale, j'accélère pour essayer d'y aller. Malheureusement, la balle qui fuse, le terrain qui était mouillé, il avait plu juste avant, donc le terrain il fuse, il faut mettre des transversales très précises pour qu'elles arrivent, donc c'est très compliqué. On essaie de me trouver en profondeur, mais c'est un peu compliqué. La balle fuse, leur bloc, il est très haut. Là, on récupère une balle haute directement. Le numéro 10 qui va m'envoyer une balle dans l'intervalle. Incroyable, je suis tout seul devant les cages. Je vais le tirer à droite, je vais lober bêtement. Et là, malheureusement, je fais n'importe quoi. Je loupe une occasion très importante pour revenir au 2-1. Au lieu de lober, j'aurais dû mettre tout simplement un enroulé sur le côté droit. J'essaie de me compliquer la vie. Aïe, 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 aïe. C'est très compliqué, mais c'est pas grave, faut rester dans le match, faut essayer de persévérer. On a le pied sur le ballon là, faut continuer à avancer. Directement, on avance avec notre offensive, avec notre numéro 6 qui va faire la passe au défenseur. Le défenseur qui m'envoie une balle dans l'axe. J'arrive à contrôler, il y a 4 adversaires autour de moi, j'arrive à m'en sortir là. Le défenseur qui me pousse, la faute directement. Il va falloir rester dans le match hein, parce que là 2-0, on met 2-1, c'est un tout autre match. Mais si on prend le 3-0, le match est quasiment fini. On est reparti avec une offensive, avec notre milieu de terrain qui va se retourner, qui va m'envoyer une balle. Je prends l'info derrière moi, je vois que j'ai de l'espace, j'accélère. Je vais fixer l'accélération, j'élimine un premier joueur, un deuxième joueur. Je fais la passe derrière pour éliminer les 4 joueurs. Notre milieu qui envoie Younes sur le côté droit. Younes qui contrôle orienté, qui va accélérer. Et là qui cherche une solution, qui va jouer en retrait tout simplement. On a un très beau coup à jouer là. Là notre milieu qui vient de rentrer, qui malheureusement perd un peu trop de temps.
Là, il va falloir conserver la balle et pas la perdre. Je la remets à Younes. Younes qui va centrer intelligemment. Le contrôle de notre numéro 10 qui refait la passe derrière. La frappe. Aïe, aïe, aïe. La frappe dévissée. Encore une occasion ratée. On pousse, mais ça rentre pas pour l'instant. Malheureusement, on est reparti directement avec une action. Le défenseur qui rate son dégagement. On m'envoie encore une balle. Le contrôle. Cette fois-ci, je suis face au jeu. J'arrive à mettre accroché au défenseur. La frappe enroulée. Et le gardien. Très bel arrêt du gardien. Le gardien était bien sorti. Il était bien sur ses appuis. Il a anticipé la frappe, franchement. Ça manquait un peu de puissance. Mais première mi-temps 2-0 toujours pour les adversaires. On est reparti pour la deuxième mi-temps. On repart avec une ambition de jouer beaucoup plus haut, de jouer beaucoup plus agressif sur l'adversaire. On est reparti avec une occasion. Donc là, on conserve la balle. On essaie de jouer en possession cette fois-ci et non pas en attaque rapide. Donc on essaie de s'emmener une petite action. Avec là, pour l'instant, une conservation. On essaie de les faire jouer à gauche, puis à droite. Et puis quand il faut, on bascule le jeu de l'autre côté. Donc là, vous avez vu. Tac, ils sont trois à monter sur le porteur. Du coup, petit décalage qui est fait. Il est tout seul, là il peut nous envoyer. Il y a deux joueurs qui font un appel, moi à gauche, un à droite. Et malheureusement il fait le mauvais choix, il envoie la mauvaise balle. Un peu trop tard, pas dans le bon tempo. Il manquait que la dernière passe et c'était bon. C'est compliqué. Là Younes directement qui récupère la balle, Younes qui fait la passe à Larry. Larry numéro 10 qui m'envoie en profondeur. J'arrive tout seul devant le gardien, accélération, la feinte, le crochet, la frappe, le but. Et l'arbitre de touche qui me met hors jeu. Alors là il y a un gros doute. Là il y a un gros doute au niveau du hors-jeu. Il y a l'arbitre de touche de l'autre côté qui disait que j'étais pas hors-jeu. Le défenseur m'a dit aussi Yacine t'es pas hors-jeu. Mais l'arbitre m'a mis hors-jeu donc je sais pas du tout. Je sais pas dans les commentaires si j'étais hors-jeu. Mais en tout cas le 2-1 c'est toujours pas pour le moment. On récupère la balle encore une fois très haut. Il me fait la passe, j'arrive à temporiser, je fais la passe dans l'axe. 1-2-3 directement. Là au lieu de centrer en une touche, notre milieu gauche qui va temporiser. Il temporise un peu trop. Malheureusement il va faire une passe en arrière, un peu contre le sens du jeu. Mais c'est pas grave, on arrive quand même à avoir un coup franc. Là encore une fois c'est à Younes de tirer le coup franc. Mais comme je vous ai dit, quand c'est notre premier match de l'année, au milieu de l'année, tu peux pas prendre la balle et tirer, il y a déjà des tireurs, etc., etc. Il tire bien, ça revient sur la tête de notre défenseur. Et le but 2-1, le match est relancé. On est reparti pour la remontada. Franchement là on domine le match. Le 2-2 il est logique. Si y a un 2-2 c'est logique. Là franchement on revient bien. On revient bien. Moi, là, directement, l'entraîneur me fait passer en 6. Donc, en milieu défensif et rentre un offensif de plus. Là, franchement, il reste quoi? Il reste 10 minutes de jeu, je pense. Il y a 2-1 pour eux. Donc, on repart de derrière. Moi qui prends la balle, je lève la tête. Je vois que il y a un adversaire qui me presse. J'arrive à lui mettre accroché. Il me casse. Carton jaune pour lui. Carton jaune directement pour lui. On a encore le ballon. On repart directement pour une offensive avec notre milieu de terrain qui fait la passe sur le côté gauche. Le défenseur gauche qui met un petit crochet qui envoie encore une fois le milieu de terrain dans la profondeur. Tout seul pour l'attaquant face au gardien, la frappe de l'attaquant. Et ça passe au-dessus malheureusement, encore une occasion de gâcher. Mais il était hors jeu donc du coup pas de regret. On est reparti encore une fois avec une occasion avec notre milieu de terrain qui va faire la passe à Younes. Younes le contrôle, la feinte. Tout de suite pour le crochet, l'adversaire qui allait tomber par terre, la transversale du pied gauche de Younes sur l'autre côté, anticipé par le défenseur qui relance dans l'axe. Et c'est récupéré encore une fois par nous, notre gardien qui dégage directement. Là il reste plus beaucoup de temps, il faut jouer que de l'avant la famille. C'est pour ça qu'on va essayer beaucoup de jouer de l'avant. Notre défenseur qui fait la passe à Younes, Younes qui va se retourner, qui envoie une profondeur pied gauche sur l'attaquant. L'attaquant qui accélère et encore une fois le défenseur qui anticipe et qui envoie directement pour un corner. Corner directement joué, deuxième poteau, salope le gardien Younes. Deuxième poteau. Et malheureusement l'arrêt du gardien. Il le rime dans les jambes, ça serait carré. L'arrêt du gardien, on continue à pousser avec un centre du 6 mètres. Younes qui essaye de la dégager, ça revient sur le milieu. Feinte, crochet, la frappe encore une fois au-dessus. On rate trop d'occasions, on rate trop d'occasions la famille. Trop d'occasions. On est reparti pour une occasion avec notre défenseur qui a la balle, Salim. Qui va tout simplement faire la passe au milieu de terrain, le milieu de terrain qui contrôle. Là je donne l'info les gars, passez par le milieu de terrain, faites un tour parce que tous les verts ils sont quasiment à gauche, faut aller à droite. Là on arrive à récupérer la balle, directement notre milieu qui m'envoie la balle sur le côté gauche. Je regarde derrière moi, je vois que c'est bloqué, j'essaie de faire un contrôle, on me casse directement. Et malheureusement l'arbitre qui siffle la fin du match. Défaite 3-1, victoire des verts malheureusement pour nous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir plus de vidéos match réel, n'hésitez pas à bombarder les likes et abonnez-vous à la chaîne, c'est vraiment très important. Nous on vous laisse là, ciao.